Entre la vie et moi, une vitre mince. J'ai beau voir et comprendre la vie très nettement, je ne peux la toucher. Et cette chambre, aussi, où je t'entends me regarder, est quelque chose que je connais, et qu'il me semble voir. Et toutes ces choses sont mêlées et séparées à la fois. Et aucune d'entre elles n'est cette autre chose que je tente désespérément d'entreapercevoir. Atravessa esta paisagem o meu sonho de um porto infinito e a cor das flores é transparente das velas de grandes navios que largam do cais, arrastando nas águas por sombra os vultos ao sol daquelas árvores antigas. É preciso destruir o propósito de todas as pontes, vestir de alheamento as paisagens de todas as terras, endireitar à força a curva dos horizontes e gemer por ter de viver como um ruído brusco de serras. Há tão pouca gente que ama as paisagens que não existem. Combien je voudrais, je le sens en ce moment, voir ces choses sans avoir avec elles d'autre rapport que de les voir simplement. Contempler tout cela, comme si j'étais un voyageur adulte, arrivé aujourd'hui même à la surface de la vie. Parfois, je me mets à regarder une pierre. Je ne me mets pas à penser si elle sent. Je ne me perds pas à l'appeler ma sœur. Mais je l'aime parce qu'elle est une pierre. Je l'aime parce qu'elle ne ressent rien. Je l'aime parce qu'elle n'a aucune parenté avec moi. Que peuvent bien cacher les volets du monde dans les éventaires de Dieu? J'examine comme un qui songe. Je vois comme l'on pense. Et un léger brouillard d'émotions s'élève absurdement en moi. Je m'aperçois que sans le vouloir, je me suis mis à réfléchir sur ma vie. J'ai cru que je ne faisais que voir et entendre, que je n'étais rien d'autre qu'un réflecteur d'images reçues. Mais j'étais bien plus, sans le savoir.
Je sais bien que dans l'enfance de tout le monde, il y eut un jardin particulier, ou public, ou du voisin. Je sais fort bien que nos jeux en étaient le maître véritable, et que la tristesse est d'aujourd'hui. Cela, je le sais surabondamment. Mais si j'ai demandé l'amour, pourquoi m'a-t-on apporté des tripes à la mode de Porto, froides? Ce n'est pas un plat qu'on puisse manger froid, mais on me l'avait apporté froid. Je ne me suis pas plaint, mais il était froid. Impossible de le manger froid, mais c'est froid qu'il était venu. Je pleure. Oui, je pleure. Je pleure de tout. Je pleure le souvenir des genoux, où tout petit, je me réfugiais, de la main qu'on me tendait, morte depuis, et puis les bras dont je n'ai jamais su comment ils m'auraient étreint, l'épaule où jamais je n'ai pu m'appuyer. Quelque chose comme des larmes, sans pleurs, brûle dans mes yeux fixes. Quelque chose, comme une angoisse qui n'a pas été, gonfle ma gorge sèche. La fiction me suit comme mon ombre. J'ai à l'égard de tout ce qui existe une affection visuelle, une tendresse de l'intelligence, rien dans le cœur. C'est des tableaux que j'ai la nostalgie. C'est pourquoi ma propre enfance m'attendrit tout autant que celle de n'importe qui d'autre. Elles sont toutes deux dans un passé dont je ne sais ce qu'il est, des phénomènes purement visuels que je perçois avec une vision toute littéraire. Je suis ému sans doute, mais non pas par le souvenir, par la vision. Tel je suis, le passant intégral de tout et de son âme elle-même. Je n'appartiens à rien, ne désire rien, ne suis rien. Pauvre vieille maison de mon enfance perdue. Qui te dit que je fus à moi-même si peu hospitalier? Où en est ton enfant?
Il déraille. On est celui qui dormait en paix sous ton toit provincial. Il déraille. Où en est celui que je fus? Il déraille. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vous écris aujourd'hui poussé par un besoin sentimental, un désir aigu et douloureux de vous parler. Comme on peut le déduire facilement, je n'ai rien à vous dire. Seulement ceci, que je me trouve aujourd'hui au fond d'une dépression sans fond. L'absurdité de l'expression parlera pour moi. Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Il n'y a qu'un présent immobile, encerclé d'un mur d'angoisse. La rive d'en face du fleuve n'est jamais, puisqu'elle se trouve en face, la rive de ce côté-ci. C'est là toute la raison de mes souffrances. Il y a des bateaux qui aborderont à bien des ports, mais aucun n'abordera celui où la vie cesse de faire souffrir. Et il n'est pas de quai où l'on puisse oublier. Je sens avec toute la conscience de mon corps combien je suis l'enfant douloureux, malmené par la vie. On m'a mis dans un coin d'où j'entends les autres jouer. La vie me fait mal à petit bruit, à petite gorgée, par les interstices. Tout cela est imprimé en caractère tout petit, dans un livre dont la brochure se défait déjà. Si ce n'était à vous, mon ami, que j'écris en ce moment, il me faudrait jurer que cette lettre est sincère et que toutes ces choses, reliées hystériquement entre elles, sont sorties spontanément de ce que je me sens vivre. Mais vous sentirez bien que cette tragédie représentable est d'une réalité à couper au couteau, toute pleine d'ici et de maintenant, et qu'elle arrive dans mon âme comme le ver dans les feuilles. Voilà pourquoi le prince ne régna point. Cette phrase est totalement absurde, mais je sens que c'est en ce moment que les phrases absurdes donnent une intense envie de pleurer. Voilà donc les dernières nouvelles. Il y a aussi l'état de guerre avec l'Allemagne, mais déjà bien avant cela, la douleur faisait souffrir. Si je ferme les yeux, je continue à voir, puisque je ne vois pas. Si je les rouvre, je ne vois rien de plus, puisque je ne voyais pas. Je suis tout entier. Une vague nostalgie, ni du passé, ni de l'avenir. Je suis une nostalgie du présent. Je suis semblable à l'homme qui avait vendu son ombre, ou plutôt semblable à l'ombre de celui qui l'avait vendu. Dans tous les lieux de la vie, dans toutes les situations, je fus toujours pour tous un intrus. Au milieu de parents ou d'amis, je me suis senti comme quelqu'un d'extérieur. Je fus toujours, en toutes parts, et par tous, traité avec sympathie. Mais la sympathie avec laquelle ils me traitaient fut toujours exempte d'affection. Qu'ils puissent m'aimer fut une chose qui m'a paru toujours impossible. Je suis passé parmi eux en étranger, mais nul d'entre eux n'a vu que je l'étais. J'ai vécu parmi eux en espion, mais personne, pas même moi, n'a soupçonné que je l'étais.
Moi, je suis un interné dans un asile. Sans asile. Je suis fou, à froid. Je suis lucide et fou. Je suis étranger à tout et à tous égal. Je dors éveillé avec des songes qui sont folies, parce qu'ils ne sont pas des songes. Je suis ainsi. Voici, madame, les paroles que je tiens à écrire en commentaire de votre regard involontairement interrogatif. Je ne saurais jamais comment apprêter mon âme à amener mon corps à posséder le vôtre, car j'étais, je vous le répète, incapable de tenter de le faire, pas plus que m'apprêter à rêver le faire. Sachez que je vous admire autant que je le peux. Il me serait agréable que vous pensiez à moi, quelquefois. Toutes les lettres d'amour sont ridicules. Elles ne seraient pas des lettres d'amour si elles n'étaient pas ridicules. Moi aussi, en mon temps, j'ai écrit des lettres d'amour comme les autres ridicules. Mais tout bien compté, il n'y a guère que ceux qui jamais n'ont écrit de lettres d'amour qui sont ridicules. La vérité est qu'aujourd'hui, ce sont mes souvenirs de ces lettres d'amour qui sont ridicules. Je n'ai jamais aimé personne. Ce que j'ai le plus aimé, ce sont mes sensations. Volant de la Chevrolet sur la route de Sintra, au clair de lune et en songe, sur la route déserte tout seul, je conduis. Je conduis presque lentement, et un peu il me semble, ou je me force un peu pour qu'il me semble que je suis sur une autre route, un autre songe, un autre monde. Que je la suis sans avoir quitté Lisbonne, ou sans avoir gagné Sintra, que je la suis et qu'y aura-t-il de plus à suivre, sinon ne pas s'arrêter, mais poursuivre. Il n'est personne, me semble-t-il, qui admette véritablement l'existence réelle de quelqu'un d'autre. On pourra admettre qu'une autre personne soit vivante, qu'elle sente et pense comme nous-mêmes, mais il subsistera toujours un facteur anonyme de différence, un désavantage matérialisé. Ces autres-là ne sont pas plus pour nous que paysages, et qui relèvent de cette inutilité métaphysique que l'on appelle de chair et d'os, et ceux de chair et d'os, en fait, les décrit fort bien. On dirait des choses découpées, posées sur l'étal marmoréen de quelques boucheries. Morts qui saignent comme des vies, côtelettes et gigots du destin. Aurais-je laissé des songes derrière moi? Ou bien c'est l'automobile qui les a laissés? Moi, chauffeur de l'automobile d'emprunt, ou bien l'automobile d'emprunt que je conduis. Scott ! Sur la route de Sintra, de plus en plus près de Sintra, sur la route de Sintra, de moins en moins proche de moi. Il arrive parfois, sans que je m'y attende, et sans que rien ne m'y prépare, que l'asphyxie de la vie ordinaire me prenne à la gorge, et que j'éprouve une nausée physique de la voix et des gestes de ce qu'on appelle nos semblables. J'ai créé en moi diverses personnalités. Je crée des personnages sans arrêt. Le dégoût insupportable de tous ces visages, rendus stupides par l'intelligence, comme par l'absence d'intelligence, est grotesque. A donné la nausée à force d'être heureux ou malheureux, horrible simplement, parce qu'ils existent. Chacun de mes rêves se trouve immanquablement, dès qu'il est rêvé, incarné par quelqu'un d'autre qui commence à le rêver. Lui et non plus moi.
Que pense-t-il retirer de la vie cet homme et comment? Où croit-il emporter sa côte de porc arrosée de vin rouge et sa petite amie de rencontre? Vers quel ciel auquel il ne croit pas? Vers quelle terre où il n'emportera que la pourriture qu'a été sa vie larvaire? Pour me créer, je me suis détruit. Je me suis tellement extériorisé au-dedans de moi-même qu'à l'intérieur de moi-même, je n'existe plus qu'extérieurement. L'autre, et ses côtelettes de porc, son vin rouge, et sa petite amie. Pourquoi donc m'en moquer? Tous deux frères, formes diverses d'un même héritage, lequel de nous pourrait renier l'autre? Je suis la scène vivante, où passent divers acteurs, jouant diverses pièces. On peut renier sa femme, mais non pas sa mère, son père, ni son frère. Je n'ai même pas joué un rôle. Mon rôle, on l'a joué pour moi. Je n'ai pas été non plus l'acteur. Je n'ai été que ses gestes. Je suis parvenu, aujourd'hui, subitement, à une sensation absurde et juste. Je me suis rendu compte, en un éclair, que je ne suis personne. Absolument personne. On m'a volé le pouvoir d'être, avant même que le monde fût. Je suis les faubourgs d'une ville qui n'existe pas. Le commentaire prolixe d'un livre qui ne s'écrit pas. Je ne suis personne. Personne. Je suis le personnage d'un roman qui reste à écrire. Et je flotte. Aérien. Dispersé. Sans avoir été parmi les rêves d'un être qui n'a pas su m'achever. Qui est cette femme qui, avec moi, avait de son regard cette forêt étrange? Pourquoi, pendant cet instant, je me le demande? Je n'ai même pas conscience de désirer le savoir. Je rêve et je me perds. Double d'être moi-même et cette femme. Je rêve et derrière mon esprit attentif, quelqu'un rêve avec moi. Peut-être ne suis-je que le rêve de cet autre qui n'existe pas. Mes lèvres, dont je sais qu'elles sont pâles, ont l'une pour l'autre le goût de ne pas vouloir vivre. Et cela, parce que nous savions, avec toute la chair de notre chair, que nous n'étions pas réalité. Nous étions ce paysage estompé dans sa conscience de lui-même, et de même qu'il était double, réalité et illusion. De même étions-nous obscurément deux. Aucun de nous ne sachant au juste si l'autre n'était pas lui-même, si cet autre incertain vivait réellement. C'est ainsi que nous mourûmes notre vie, si absorbés à la mourir séparément. Nous ne nous apercevions pas que nous n'étions qu'un, que chacun de nous était une illusion de l'autre,
et que chacun, au-dedans de soi, n'était que le simple écho de son propre être. Ne pas pleurer, ne pas haïr, ne pas désirer. Je voudrais fuir. Fuir ce que je connais. Fuir ce qui est à moi. Fuir ce que j'aime. Je voudrais partir. Non pas vers des Indes impossibles ou de grandes îles au sud de tout, mais vers un endroit quelconque, qui par-dessus tout ne soit pas cet endroit-ci. Je ne veux plus voir ces visages, ces habitudes et ces jours. J'ai trop froid. Je suis si fatigué, si las de cette solitude. Au vent, va chercher ma mère. Et mène-moi dans la nuit, vers la maison que je n'ai pas connue. Rends-moi au silence, ma nourrice, mon berceau, et cette berceuse qui si doucement m'endormait. Je relis plongé dans une de ces somnolences sans sommeil, où l'on s'amuse intelligemment sans intelligence, certaines des pages qui formeront rassembler mon livre d'impressions décousues. Et voici qu'il monte de ces pages, telle l'odeur de quelque chose de bien connu, une impression désertique de monotonie. Je sens que même en disant que je suis toujours différent, j'ai répété sans cesse la même chose, que je suis plus semblable à moi-même que je ne voudrais l'avouer, et qu'en fin de compte, je n'ai eu ni la joie de gagner, ni l'émotion de perdre. Je demande à ce qui reste de moi à quoi riment ces pages inutiles, consacrées aux déchets et aux ordures, perdues avant même d'exister parmi les bouts de papier du destin. Je m'interroge et je poursuis. J'écris ma question, je l'emballe dans de nouvelles phrases, la désenchevêtre de nouvelles émotions. Et je recommencerai demain à écrire, poursuivant ainsi mon livre stupide, les impressions journalières de mon inconviction, en toute froideur. Une fois achevée la partie de domino, et qu'on l'ait gagnée ou perdue, on retourne toutes les pièces, et tout le jeu alors est noir. C'est un bon.
éternels passagers de nous-mêmes, il n'est pas d'autre paysage que ce que nous sommes. Nous ne possédons rien, car nous ne possédons pas nous-mêmes. Nous n'avons rien parce que nous ne sommes rien. Quelle main pourrais-je tendre? Et vers quel univers? Car l'univers n'est pas à moi. C'est moi qui suis l'univers. Comment savez-vous si en voyageant ainsi, je ne me suis pas suivi moi-même obscurément? Mm-hmm.